Le régisseur s'appelait aussi Stéphane. Je lui ai dit, ça ne pourra pas fonctionner, Stéphane, il va falloir que tu trouves un autre nom parce qu'on a deux Stéphane, mais il dit, appelez-moi monsieur. Un café pour la 37. Mais qui t'appelle pour faire des costumes d'astronaute? Tu sais, jour 1, là, t'appelles qui? T'sais, fait que là, on a fallu les construire, ces casques-là, puis c'était un peu compliqué, finalement. Puis on a eu tous les problèmes possibles et inimaginables. On a fait venir des coupoles qui étaient beaucoup trop grosses, qui n'avaient pas de bon sens. Jour 1 de tournage, il s'est mis à avoir de la buée là-dedans. Quand on a tourné, il faisait moins 18 degrés Celsius. Et rapidement, on ne voyait plus les visages des personnages. Et donc, on enlevait les visières, on chauffait avec un sèche-cheveux. Et là, aussitôt qu'on était prêt à tourner, on remettait les visières, on disait action, puis on faisait la scène. Souvent, les acteurs ont dû jouer des scènes sans s'entendre. Alors, ils lisaient sur les lèvres de l'autre, puis quand ça arrêtait de parler, ils savaient que c'était leur tour, parce qu'on était supposé avoir des oreillettes invisibles un peu, qui ne fonctionnaient pas, finalement. Et donc, les acteurs devaient faire semblant qu'ils s'entendaient super bien et interagir un avec l'autre.